Est-ce que vous êtes prêtes? Pas tout à fait. Et franchement, il n'y a pas de nana, on va dire qu'on est féministe. Est-ce qu'il y en a qui sont pas prêts plutôt, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas une seule fille, ça va winner là. Ouais, grave. Ouais, Unstar, tais-toi, dis rien. La testostérone. Fanta, il en peut plus, Fanta. La testostérone. Go, go, Power Rangers. Et ça commence bien. Bon, allez. 3, 2, 1. Et bonjour à tous, on se retrouve pour la saison 2 de Kill the Patrick avec beaucoup, beaucoup de monde, bien plus que la saison 1. Bon, on va faire un tour de table rapido par ordre alphabétique. On va commencer par As2 qui était déjà là, la saison 1. Yo! Par moi-même, on va sauter. Aznet. Bonsoir. Bill. Bonjour à tous. Ion. Il est mort. Ce sont des choses qui arrivent. Ion, say hi. Bon, c'est mort. Pas grave. On passe à Elvie, c'est peut-être le son. Salut à tous. Et c'est Maroku qui a sauté. C'est pas grave. Harry. Bonsoir. I play for you. Salut tout le monde. Maroku. Bonjour. Monsieur Moustache. Bonjour. Nox. Hey guys, Nox here. Shorty. Salut à tous. Souls. Salut. Oh. Hey. The Kid. Ne nous entend pas. C'est le Fantastico. Le Fantastico. Salut les amis. Fika. Bonjour. Sœur qui nous montre ses fesses. Yeah. Coucou. Zayden. Salut. Et pour finir, Zephyr. Ok, oui. Ouais, voilà. Donc, voilà, on a fait le tour de tout le monde. Pas beaucoup de changements par rapport à la saison 1. On reprend les mêmes. Mais peut-être expliquer les règles principe de la saison 1 pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà, tout à fait, vu qu'il y a des nouveaux. Donc, c'est du ultra hardcore, c'est-à-dire que on est dans une map de 2000 x 2000, en tout, hein, qui est cerclée par des murs de verre, donc on peut pas passer au travers. Et pendant qu'il met une chanson un peu triste derrière nous. Donc le but c'est d'être le dernier survivant, on a le droit de tuer, on est tous en solo, et la différence c'est que le seul moyen de régénérer de la vie c'est d'utiliser des pommes d'or qui se craftent avec une pomme et des lingots d'or, et non pas des petits machins trucs là, je me souviens plus, des nuggets. Voilà, et puis voilà, hein. Rien d'autre à ajouter je crois. Let's do the RMG. Oh pardon, je me suis trompé de vidéo. De toute façon, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les règles complètes, ça sera dans les descriptions des vidéos. Voilà, okay. Le but est très simple, il faut éliminer ceux qui sont pas importants, donc les roues, hein, de manière prioritaire. Ensuite les Canadiens. Et évidemment, interdiction de tuer des gens comme Fanta, des gens comme Ivley, parce qu'ils ne sont pas des Patrick, et le nom de l'émission c'est Kill the Patrick. Donc ils vont gagner. Non, ça, j'ai pas compris. Faut tuer les étrangers en premier. Oh là, non. Oh, c'est propos racistes. Moi je dis c'est le mot raciste. Je dis c'est le mot raciste. Est-ce que Fanta est considéré? Bon ben voilà, et puis aussi quelques ajouts par rapport à la saison 1, comme vous le voyez sur la partie droite de votre écran, il y a un petit indicateur pour le moment dans lequel on se trouve dans l'épisode, ça peut être utile. Et puis je crois que c'est tout. Il y a eu d'autres ajouts, Az, par rapport au plugin? Non. Non. Voilà. C'est plus stable. Ça c'est de l'info. Ça fonctionne mieux. C'est ce qu'on dit. Ouais, bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft Sea, Sex and Sun. Hey, numéro 1, la classe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau? Non, on peut rien casser. Ah, ça y est. Alors, j'espère que ça va commencer. Allez, on commence à récolter des trucs, hein, on se pose pas de questions. Il va me falloir du bois. Donc, faut pas trop courir. Et hop.
Et, mais quand même un petit peu, on n'aurait pas envie de perdre de temps. C'est sympa ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être Connected Textures, donc j'ai Optifine d'installer. Notez les coordonnées. Ah non, ceux qui sont... c'est bon. Allez, 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 on y croit. Vous allez voir. Ah. Ah. Bon, on va replacer ça. Ah là là, je vous jure. Et spawn 5. Alors, le monde entier est un cactus. Ça me va aussi. En plus, je suis plus proche de... d'arbres, donc c'est bien. Bon, j'aimais bien l'autre quand même. C'est quoi, Sea, Sex and Sun. C'est sympa, donc bon, c'est pas grave. Alors, d'après mes calculs savants, parce que je me suis préparé, non, en fait, je déconne, il me semble qu'il me faut 4 trucs de bois. Donc voilà, bienvenue. Bienvenue dans Cœur de Patrick saison 2. Oh, le soleil. J'ai changé mon pack de texture, j'espère qu'il vous plaira. Moi, du coup, ça me fait un petit peu bizarre parce que j'ai jamais joué avec. Mais YOLO, comme on dit ici. Oh, un cochon, un cochon. Alors, qu'est-ce que j'essaye de faire, moi? Tac. Voilà. On va se faire une petite pioche. On garde les yeux sur le petit cochon. Et oh, regardez-moi ça, si c'est pas de toute beauté, direct à côté d'une... Ouh, j'aime pas du tout la... Là, oh non, vous êtes sérieux? Non, non, toi, dégage. Et j'ai pas envie de perdre de points bêtement, du coup, je vais même pas... tant pis, je vais prendre mon temps, je vais le tuer très lentement. Mais je veux pas perdre même, ne serait-ce qu'un demi-cœur. Allez, objectif, 2 épisodes minimum, cette fois. Allez, crève! Allez, 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 crève, merci. Voilà, donc, ça commence déjà beaucoup mieux que la dernière fois. Vu que j'ai tout de suite du charbon, donc ça va éviter de faire... dans la saison 1, j'avais dû passer pas mal de temps dans le noir, parce que impossible de trouver du charbon. Là, cette fois-ci, ça le fera pas. Donc ça, c'est toujours une bonne chose. Donc là, il va m'en falloir, disons... 3... Ah non, 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 ça par contre, je suis pas d'accord. Allez, oui. Oh, je vais redescendre quand je serai équipé pour... ça y est, la pression commence à monter... Alors, hop, voilà, on va espérer qu'il va pas me suivre. Est-ce que je me fais une épée? Ouais, je vais quand même m'en faire une, même si très rapidement je m'en ferai une en fer. De toute façon, le bois, c'est pas ce qui manque. Hop, on va aller tuer les cochons qu'il y a là-bas. On va éviter de trop sauter. Alors, je vous rappelle hein, que la nourriture ne rend pas de vie. Donc ça va seulement éviter que ma faim diminue, donc éviter que ma vie diminue, soit. Mais je vais pas directement récupérer de la vie juste en ayant ma jauge de faim pleine. Ce qui est un problème hein, quand même, c'est-à-dire que si jamais je perds ne serait-ce qu'un demi-cœur, voyons voir. Unster, il a déjà perdu un cœur et demi. Donc voilà, si jamais je commence à perdre des cœurs, même des demi-cœurs, c'est une mauvaise nouvelle parce que je vais devoir raquer au niveau de... Allez. Bref, gros lag. Je vais devoir raquer au niveau de l'or. Oh, un village, mais il est énorme ce spawn. En fait, il est peut-être mieux que si Sex and Son. Allez, hop, hop, hop. Yop. Ok, tout ça c'est pas mal, on va finir la zone, ne serait-ce que si jamais quelqu'un d'autre arrive par ici, comme ça il aura rien. Je suis comme ça, hop, hop. Franchement c'est un très très bon spawn ici, je suis très content. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner là-bas, on va retourner chercher le fer, ou non, vous savez quoi, on va aller au village, là... Et puis pour la nuit, on retournera là-bas. Ça me semble plus sage. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là? Oh, bon, on va prendre du fer, il y en a juste là, allez. Pour se faire le plus rapidement possible une armure. Vraiment la roche. Donc je suis désolé, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment se plaindre des textures quand c'est pas le pack de base. Je ne joue jamais en pack de base.
Je suis désolé, hein, ça ne changera pas, je le supporte pas. Le Doku, j'adore, mais j'ai une version customisée que j'ai pas encore portée sur la 1.5, donc je me retrouve avec le pack basique. Faudra que je vois exactement comment on fait pour changer les textures pour la 1.5. Je sais que le mode de fonctionnement change, et dès que ce sera le cas, je pourrai faire mon propre pack tout beau et tout. Voilà. Bien. La pomme, évidemment, ne surtout pas la manger. Non, attends, je vais... Ah non, j'ai cru qu'il y avait un... attendez, ça, je me demande si c'est pas juste à côté de... Non, c'est pas juste à côté de C-Sex and Sun. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, non, on va retourner au village. Et voilà. Tiens, là, j'ai vu des ressources encore. Non, du charbon, c'est bon, il y en a des masses. Donc, pas besoin de le prendre. Oh, salut, cochon. Ah, mais il y en a plein. Oh, des villageois, je sais pas... Faudra voir si je trouve des émeraudes, je pourrais peut-être leur échanger des trucs. Voir s'ils ont des trucs intéressants. Les seules fois où j'ai utilisé des villageois... Moi, faut savoir que je ne joue jamais en survie, hein, ça vous le savez. Donc les seules fois où j'ai échangé avec des villageois, ça devait être dans des maps aventures. Oh, du blé! Du blé, trop bien! Du coup, qu'est-ce qui... Oh! Ah bon! C'est très intéressant, les pommes. Toi, bon, bref. Ah, mais du coup, ça me permettrait d'en avoir. Attendez. Hop, 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 y'a rien. Y'a rien. Quoique, je pourrais quand même utiliser ça. Utiliser ça comme petite base si besoin. Mais avoir des petits. Non, vraiment aucun. Aucun coffre. Oh. C'est fou ça. Non, allez, il doit quand même y avoir. Un coffre surtout dans tout le village, non? Bon, bah écoutez, je suis très très déçu par ce village. Ah, dernier espoir. J'y crois plus trop là, mais on sait jamais. Non, y'a rien. Bon, bah écoutez, on va continuer à tuer des bébêtes. Hop. Toi, est-ce que je veux un lit? Bah non, le lit sert à rien. Si jamais je meurs, je meurs. Donc. C'est le principe du hardcore, Bill. Voilà. Hop. C'est quoi ça? Non. Voilà, je sais pas pour vous, moi je ne vois pas de lag. J'en ai eu un tout à l'heure. Oh, des vaches, yes! Oh, le spawn parfait, je vous jure. Moi je veux surtout pas recommencer ou... Ok, on reste, ah, nickel. Alors, les cochons, faudra retourner, je veux pas perdre mon spawn de tête. J'ai quoi là? J'en ai deux. J'avais vu plein de fer, du coup je vais absolument y retourner, mais en vrai, là il y a la dose de caverne et tout. C'est bien ça, parce que je vais éviter le minage opti, c'est vraiment pas intéressant, ni pour vous, ni pour moi. Donc, juste pour vérifier. Hop, voilà, comme ça on est sûr, au cas où j'irai dans une mine. Et ça y est, je commence à sentir déjà la pression, mine de rien. On en est à quoi? Oh, ça fait que 5 minutes! Oh. Et en 5 minutes, bah écoutez, en 5 minutes, plutôt bien là. On va quand même se bouffer quelques trucs, de toute façon on en a tellement qu'on peut se permettre de les manger cru. Voilà, on les mange vite fait. Crève, voilà. Voilà, donc là j'en prends vraiment trop, mais c'est vraiment dans le but de ne pas en laisser pour d'autres personnes qui seraient dans les environs. Hop, voilà. Toi, allez, toi tu as le droit de vivre. Ah, il y a une autre vache. Attendez, mais c'est moi où elle respawn? Non, bah non, elles doivent pas pouvoir respawner, hein. C'est le nouveau truc. L'intérêt des élevages, c'est que quand c'est par chunk ou je sais pas quoi, j'ai... Voilà, moi les trucs de survie, vous me demandez là les nouveaux blocs de la 1.4, de la 1.5, quels intérêts décoratifs ou constructifs ils pourraient avoir, là je peux vous répondre, mais ça... Bon allez, je tue ces animaux là, et je fais demi-tour, je retourne dans ma mine, parce qu'elle était très bien quand même.
Voilà. Voilà, bientôt le stack de steak. Alors par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais quelqu'un me tue, il va avoir la dose de trucs, hein, ça. Ah. Allez. Ouais, des petits lags quand même. Hein. On va voir, c'est vraiment moi qui suis pas doué, mais je crois qu'il y a des lags. J'aurais peut-être dû noter mes coordonnées, moi. Parce que là... Alors, The Kid, qui visiblement a des problèmes, bon, c'est dommage. Vous le connaissez sûrement pas, dans le sens où c'est pas un YouTuber. C'est celui qui fait la miniature. Donc, c'est un graphiste, c'est lui qui fait du travail de graphisme ici et là pour bah, Pierre principalement, mais un petit peu pour les autres. Donc, la miniature, par exemple, de SimCity, c'est lui qui l'a faite aussi. Oh là, il y a pas mal de trucs aussi. Ouais, ça va pas très profondément. Donc SimCity, c'était lui. Cœur de Patrick, c'est lui. Et donc c'est à ce titre-là qu'on se dit, bah écoute, vu ce que tu fais avec nous, participe. Ne sois pas simplement le graphiste, sois participant. Mais bon, du coup, bon, c'est bête, il va pas enregistrer. Ça fera une vue de moins, mais c'est pas grave. En vrai, il y en a déjà beaucoup. Il y a Fanta aussi qui, il me semble, n'enregistre pas. Ou du moins enregistre, mais sans commentaire et du coup sans diffusion, probablement. Donc voilà. Ok, bah écoutez, il reste un cochon et on va faire demi-tour. Putain, il y en a encore plein là-haut. Bon, bah là, c'est bon, là j'ai plus d'un stack. Je suis bon. Par contre, la vache que j'avais vue là-bas, elle m'intéresse. Parce que je sais pas combien de fer je vais trouver. Hop. Du coup, potentiellement, une armure en cuir, ça m'intéresse aussi. Après tout, c'est entre autres ce qui avait fait la différence dans mon combat contre As-2. D'ailleurs, As-2, si jamais je le recroise, ça va chier. On se l'est déjà dit, on s'est déjà... Bon, il y a une star, moi je me casse. J'aurais peut-être dû fouiller dans son four, voir s'il y avait quelque chose, mais bon. Allez, on va pas commencer à se taper direct. De toute façon, tant que j'aurai pas... Enfin, vu les ressources que j'ai sur moi, je veux vraiment pas me fighter maintenant. Hop. Donc. Voilà. Ah bah c'est pour ça. Eh mais les vaches, j'ai vraiment pas de bol. Hein. Elles se font toujours tuer par quelqu'un d'autre. Hop. Ça c'est ma table à moi, d'accord. Ok, bah écoutez, on va aller sous terre pour la nuit. Et on va en ressortir un méga boss. Non, avant je vais casser des... Ouais, alors attendez. C'est bon, il m'a pas suivi. En vrai, je pense que ça devrait être bon. Au début, personne ne va vouloir se fighter et risquer de mourir. Risquer de faire comme moi, hein, disons-le. Donc je pense que je suis tranquille, au moins pour l'épisode 1. Bah, le temps que vraiment tout le monde se prépare. Hein. C'est-à-dire que c'est pas super intéressant de voir des gens qui se tapent dessus avec des épées en fer et pas d'armure, ou alors juste un pantalon en cuir comme As-2. Avoir des combats épiques, tout ça, c'est beaucoup plus intéressant. Oh, je sais ce que je vais faire. Ça, hop, toi tu viens avec moi. Est-ce que je prends le temps d'en prendre plus? Ouais, parce que là, si jamais j'ai envie de me faire un bouquin, j'aurais pas assez. Je sais pas où est passé mon truc. Oula, tu... l'entrée... Donc ça, c'est mon spawn exact. Faut que je retrouve mon... J'ai vraiment très très envie de retrouver ma grotte. Elle était très très bien. Je prends juste ça et je fais demi-tour. Oh, un temple! Non, pas le temps. C'est la nuit, j'ai vraiment d'autres choses à faire. Pas envie de risquer d'être là pendant la nuit. Et surtout, en vrai, je suis pas équipé même pour faire face à ce qu'il y aurait dedans, je crois. Je sais même pas ce qu'il y a dedans, en fait. Je sais qu'il y a le truc avec la TNT en bas. Mais du coup, je veux dire, je peux même pas descendre, j'ai pas de sable et tout. Bref. Bientôt la nuit, j'ai envie d'être sous terre. Allez, là je commence déjà dans ma tête à un peu tirer la chose trop loin.
Allez, allez, allez. Je fais juste des réserves de bois avant de partir. Et c'est ça ma grotte. Non, c'est pas du tout une grotte, ça. Allez, je commence à regarder un peu partout. Là, je commence à flipper que des gens puissent arriver. Hop. Tu te fous de ma gueule. Un zombie ultra stuffé. Abusé. Ouais, non, lui, je... Non. Oh, le creeper, bravo, merci, au revoir, je... Non. Ça ne m'intéresse pas. C'était ça, la grotte? Non, mais t'es pas sérieux, là! Ok, alors... Bon, bah voilà, je vous avais dit, j'ai tiré la chose trop loin, là je suis pas du tout prêt. J'ai combien de fer? 3. Je peux rien me faire avec 3. J'ai envie de retrouver ma grotte, elle est passée où? Oh, le ciel est magnifique par contre. Et merde, voilà, un squelette, génial. Oh putain. Non. Oh non, oh non. Oh putain. Ok, rien à foutre, on prend cette grotte là, on s'enfonce. C'était pas censé se passer comme ça. Oh, waouh. Waouh, ok. Ok. Bon, on va se faire un petit four. C'est comment là du coup le... Moi je suis à 4, ouais bravo. Shorty il est à 1. Fou, dur. Hop, on va mettre du fer. Et bon, bah moi qui ne voulais pas faire de minage opti, je me retrouve à faire du minage opti. Deux, ça je peux rien faire. Ah non, si! Si, si, ça me sera utile pour le bouquin. Parce que bon, faire des enchantes, enfin, vu le nombre de niveaux que j'ai en plus, ça sera très très utile. Du fer, j'en ai 3, donc assez pour me faire. Bah pour me faire quoi? Ah, oh là. Assez pour me faire soit une épée, soit une pioche, mais pas les deux. Vraiment, je veux plus prendre de risques là. Tant pis si on voit ma position du coup. Hop, voilà. Ah, je suis vraiment stressé là. Ok, je remonte me refaire des torches. Mais ah! Oh oh, creeper, je t'ai vu. Tu ne mourras pas. Il a un chapeau? Allez. Bon. Donc mon objectif, c'était 2 épisodes. Je pense que je ne vais pas faire beaucoup plus. Mais voilà, tant que j'ai 2 épisodes, je suis content. De toute façon, en vrai, vous seriez déçus, hein ?
Alors, ouais, non, vous seriez déçus. Deux cœurs, là, j'ai... Énorme. Alors, j'ai de quoi me faire plein de bouffe, là. Oh, yes, du fer, merci. Alors, on va pas faire de conneries en... Oh, yes. Non. Oh, j'ai cru que j'avais vu qu'il était monté. Voilà, on se fait un petit échappatoire au cas où. On sait jamais, pour y avoir un trou. Bon, elle me stresse vraiment, l'araignée. Je suis content d'avoir bloqué la porte, même si ça donne ma position, ça vaut quand même le coup. Voilà, là on a la dose, on peut commencer à se faire, bah écoutez, je sais pas, des bouts d'armure, hein, honnêtement. Une pioche, une épée pour commencer, on verra ce qui nous restera. Voilà, trois fers, tac. Ça, je vais en remanger. Non, ça devrait aller. On va en mettre plein à cuir. On va se faire des bols aussi. Oh non, ça t'en fait 4. Bon, c'est bon. Tac, tac, tac. Vous voyez, je connais même pas les recettes. C'est dramatique. J'ai une page wiki ouverte à côté de moi pour plein de recettes. Ça me sert à pas grand chose pendant un combat, du coup. Autant les manger maintenant. Hop. Voilà. Alors là, j'ai assez pour. Mon épée, enfin, alors ma pioche, tac, et une épée, ok. Donc ça, très bien, on va mettre ça bien proprement au début. Non, là, ah non, si là, j'aurais duré plus longtemps que la première fois. Ça y est, le premier mort. Waouh. Ouh. Ah, waouh. Bon. Bon, bah je suis toujours avec mes deux cœurs, mais au moins, bon, ça va un peu mieux. Moi, je pense que je vais aussi me faire un coffre. Un coffre, ce serait pas du luxe. Bon, ça m'attache vraiment à un endroit, mais c'est pas trop, trop grave. Hop, voilà. Histoire de garder un peu de bouffe. On va mettre un peu de ça. Le cuir, en tant que tel, il me sert à rien, c'est non plus... Gravier, non. Ça, je vais le garder avec moi, on sait jamais. Ça, comme ça. Le reste, je le laisse bosser. Je vais... Ah non, je me suis pas fait d'armure. J'en ai 4. 4, je peux me faire des bottes. Bah, écoutez, on va se faire des bottes. Hop, c'est déjà ça. Ouais, je vais essayer de pas trop les abîmer en tombant. Voilà. On en est à combien pour la vie de tout le monde? Oh, il y en a quand même beaucoup avant. Mais Shorty, il a mal. Aznet, il a super mal. Putain, Aznet, c'est étonnant. Voilà, je vais éviter de casser les trucs avec ça. Oui, voilà. Bon, ah, j'ai oublié de me faire des torches et j'ai laissé tout mon charbon. Alors, on va y retourner. Hop. Et en vrai, je sais pas si... Vu que j'ai mis de la cobble juste à côté, les gens vont trouver ça. Qu'est-ce que j'ai laissé? J'ai rien laissé de trop précieux. Quand même reprendre le bois, parce que voilà. Ça, on va en prendre la moitié. Et ça aussi. Et ça devrait être bon, du coup. Hop. Voilà, 9. Et voilà, comme ça, on a plein de torches. Ça, c'est cool. Et on met ça comme ça. Voilà, comme ça je peux prendre d'assaut tout ce complexe. Alors, visible, donc ça fait 10 minutes, on en est à combien? 20 minutes d'épisode. Salut le zombie. Maintenant, je peux vous affronter, même pas peur. Voilà. Wow! Oh, wow!
Ça a failli être ma fin. Ça a failli... Oh. Il y en a beaucoup là. Ah non, il y en a que deux. Je crois qu'il y en a trois. Ah, oh, genre, il a récupéré le steak direct. C'est... Ah non, non, les archers, non. Non. Autant dans... c'est quoi, c'était dans Cake Defense. Bizarrement, ça allait. Autant là, je les sens vraiment pas. Yes, tu fais... Bon, là, je suis juste en train de faire le tour, donc je vais pas aller trop loin. Hop. Je suis désolé si... Là, j'éclaire pas trop, parce que j'y reste pas, mais je vais éclairer tous mes passages. Tant pis si les gens le voient. De toute façon, le but, c'est... Enfin, mon but, c'est pas d'être discret, c'est de survivre, hein. Voilà, on va être clair. C'est déjà dur pour moi, alors, bon. Hop. Voilà. Donc on va descendre, il y avait un copain creeper là-bas. Et ouais. Et ouf. Hey, non, oh merde, elle était là. Ah putain. Bon, bah écoutez, je n'étais pas le premier à mourir. Oh, j'étais tellement bien parti. J'avais tellement de plans, d'idées. J'ai même pas eu le temps de me déco moi-même. Bon, je vais quand même vous parler de mes deux rêves. Voilà, je le gardais pour l'épisode 2. Je m'apprêtais à vous dire que je vous en parlerai dans l'épisode 2. J'ai fait deux rêves sur Kirk Patrick saison 2. Le premier, c'était que Souls était un Argonien. Donc les Argoniens, c'est dans The Elder Scrolls. C'est des espèces de lézards qui respirent sous l'eau. Et que Souls était un amphibien, était un Argonien, et qu'à un moment, dans un temple, il m'attirait sous l'eau et que je suffoquais. Attends, je suis désolé, je m'en remets pas. Et que, voilà, à cause de lui, je suffoquais parce que lui, il pouvait respirer et pas moi. Voilà. Et, deuxième chose, c'était quoi mon rêve? Bah oui, l'autre rêve, c'était cette nuit. Donc celui-là, il a fait rire tout le monde et j'ai un peu halluciné, mais... cette nuit, c'était... je rêvais que j'avais fait un camp d'entraînement pour Kirk Patrick. Pour être vraiment prêt, tout ça, et que voilà, après une semaine, donc je me souviens spécifiquement du moment après une semaine où on présentait nos impressions et tout, et que je disais à quel point, tout le monde disait à quel point on avait tous progressé, et en effet, je pense que j'ai progressé par rapport à la saison 1, mais clairement pas assez. Voilà, donc c'était un plaisir, il est même pas 21h30, et bon, bah, je vais me retenir de tweeter pendant quelques heures pour pas que les gens sachent que je suis mort comme une merde au premier épisode. J'ai raté finalement mon deuxième épisode, mais 30 minutes c'est long, hein, c'est très long, donc je suis... Voilà, je suis déçu, mais en même temps je me suis bien marré, j'étais super bien parti, mais l'honneur est sauf. Je n'ai pas été le premier à mourir, donc voilà, bref. On se retrouve très très bientôt, merci de m'avoir suivi pour ce court instant. La légende de Bill continue, je reste fidèle à moi-même, fier d'être un constructeur et rien d'autre, et voilà, à très très bientôt, salut.